l'évolution de l'épidémie. Plus de 250 personnes sont mortes entre hier et aujourd'hui pour un total national de 1809 personnes. 6 cas confirmés ont été enregistrés à Abidjan. Jésus a dit que la porte du séjour des morts ne prévaudra point contre son Église. Et toi, vas-tu te laisser intimider, traumatiser, empêcher de faire ton culte? Non. Car l'Église, ce n'est pas le bâtiment. C'est toi, c'est lui, elle, c'est moi. Alors, durant cette période confuse, l'Église vaste d'honneur reste toujours debout, adorant, servant son Dieu et se dressant contre les puissances des ténèbres. Le culte sera chez toi. Si Jésus-Christ est mort à la croix, prions, adorons, écoutons la parole, faisons nos offrandes, prenons notre Sainte Cène. L'alpha et l'oméga. Nous sommes rassemblés en ce jour pour élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout. Infiniment plus grand que tout ce qui est grand. Infiniment plus fort que tout ce qui est fort. Infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon. Infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est la finalité de l'histoire. L'oméga. Celui par qui et pour qui toutes choses ont été créées. L'oméga. Toutes choses existent par sa volonté et pour sa volonté. L'oméga. Toute chose contribuera à sa gloire et à son élévation. L'oméga. Tant qu'il n'aura pas décrété la fin, ton histoire continuera. L'oméga. Il est l'espoir là où il n'y a plus à espérer. L'oméga. Celui qui marque dans les arrêts de jeu. L'oméga. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom cette fois avec moi? Jésus. 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 Quand ton nom est glorifié, mon cœur sera sali de sa foi. Colère. Thank you.
c'est par ta grâce. Ce n'est pas par mérite que nous sommes là. Si nous sommes là ce soir, Seigneur Père, c'est par ta grâce, Seigneur. Nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier, nous voulons bénir ton nom, Seigneur Père. Nous voulons t'adorer, te célébrer, Seigneur Père. Nous ne serons jamais, Père, le prix que tu as payé pour nous, Seigneur Père. La Bible déclare que tu as tellement aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque en toi ne périsse point, mais plutôt ait la vie éternelle. Seigneur, tu nous as aimés, Seigneur Père, lorsque nous étions pécheurs. C'est lorsque nous étions pécheurs, Seigneur Père, que tu nous as aimés. Seigneur, nous voulons en ce matin te rendre grâce. Nous voulons en ce matin t'honorer, te célébrer. Nous voulons en ce matin bénir ton nom. Nous voulons en ce matin te glorifier, toi qui es le grand Dieu, toi qui es le Dieu tout-puissant, Seigneur Père. Seigneur, nous voulons bénir ta grandeur. Nous voulons bénir ta grandeur, Seigneur, parce que tu mérites, Seigneur Père. Tu mérites, Seigneur Père, d'être élevé. Tu mérites, Seigneur, d'être célébré, Seigneur Père. David déclare que tu es tellement grand, Seigneur, que ta grandeur nous échappe, Seigneur Père. Tu es tellement puissant, Seigneur, que ta puissance nous échappe, Seigneur Père. Tu es tellement fort que ta force nous échappe, Seigneur. David déclare au devant de toi, Seigneur Père, oh les morts tremblent, Seigneur Père. Qui est ce Dieu-là? Qui est ce Dieu qui a créé les cieux et la terre? Qui est ce Dieu-là qui est au-dessus de tout, Seigneur Père? Nous voulons t'élever, Seigneur Père. Nous voulons t'honorer, Seigneur. David déclare que tu suspends la terre. Oh Seigneur Père, lumière, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui es le Dieu vivant et le Dieu Père. Toi qui était, qui revient bientôt. Reçois la gloire ce soir. Reçois l'honneur. Reçois l'élévation. Reçois la magnificence. Toi qui es digne, Seigneur Père. Toi qui es digne, Seigneur. Nous sommes sauvés par grâce. Mais toi, tu mérites. Tu mérites, Seigneur Père. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons ce soir, Seigneur Père, bénir ton nom. Nous voulons encore ce soir te célébrer, t'honorer. Nous voulons ce soir te louer, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es digne, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père. Oh Jésus, reçois la gloire, reçois l'honneur, Seigneur. Reçois l'élévation, reçois la magnificence, Seigneur Père. Toi qui es le Créateur. Parce que s'il y a une création, c'est qu'il y a un Créateur. S'il y a un Fils, c'est qu'il y a un Père. Et c'est ce Père que nous voulons célébrer. C'est ce Créateur que nous voulons adorer en ce matin. C'est ce Créateur que nous voulons élever en ce matin. Seigneur, reçois notre adoration. Reçois, éternel mon Dieu, mon roi, l'honneur et la gloire, Seigneur, qui t'es dû, Seigneur Père. Oh, humainement parlant, ce n'est pas possible, Seigneur Père, de descendre dans les séjours des morts et de remonter comme déclare ta parole. Mais tu l'as fait, Seigneur, pour nous. Par amour pour nous, tu l'as fait. Tu es descendu aux enfers, Seigneur Père. La Bible dit que le troisième jour, Seigneur, tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour cet amour. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Père, pour ce grand amour que tu as manifesté à la croix de Golgotha. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié. Gloire et honneur te soient rendus, Jésus. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Que la gloire te révèle ce matin. Que l'honneur te révèle en ce matin, Jésus. Béni sois-tu, ô roi des rois. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, Père. Oh, baby.
l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Mais toi-même, tu n'as pas de commencement et tu n'as pas de fin. Mais tu étais là lorsque tout a commencé. C'est pour cela que tu es avant l'alpha. Tu es après l'oméga. Parce que tu n'as en toi, il n'y a aucune fin. Tu es l'éternité. Tu es l'éternel. Celui qui ne finit jamais. Celui qui ne s'arrête jamais. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille. Celui qui nous garde. Celui qui nous préserve de la peste et de ses ravages. De la contagion qui frappe en plein midi. Alpha Omega, nous attendons à toi pour sauver l'humanité, pour sauver les nations, pour ressusciter les morts, pour racheter, Seigneur, ceux qui ont été vendus. Alpha Omega, nos yeux sont sur toi. Et en ce jour, Alpha Omega, nous implorons ta grâce, nous implorons ta présence avec nous au milieu de nous. Viens nous secourir, viens près de l'oreille, Seigneur, à nos prières. À nos cris, à nos pleurs, à nos détresses. Sois à l'écoute, Seigneur, à cause de ta grande miséricorde, à cause de ton grand amour, à cause de ta compassion. Toi qui n'as ni commencement ni fin, nous voulons te célébrer. Nous voulons élever ta grandeur. Nous voulons magnifier ton Saint-Nom. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous donnes. Merci d'avoir renouvelé le souffle de vie. Merci de nous avoir permis d'être là, assemblés avec toi. Ô Dieu, dans un même élan, conduit par ton esprit, pour apporter, Seigneur, dans ta présence, sur ton Saint-Trône, nos louanges, notre adoration, notre admiration, et te dire que nous t'aimons. Et te dire que, Seigneur, nous voulons te dédier nos vies, te dédier ce culte, te dédier ce moment. Prends le contrôle, dispose nos cœurs. Seigneur, dispose le cœur de tous ceux qui sont en contact avec nous. Et que, Seigneur, ce temps ne soit pas simplement un temps d'écoute ou un temps pour regarder un écran, mais que ce soit un temps de communion réelle avec toi, un temps de guérison, un temps de restauration, un temps de partage, Seigneur. Un temps, ô Dieu, où c'est que quiconque est en contact avec nous entre dans ce temps et n'ira son point tel qu'il y est entré, ô Dieu. Parce que tu feras des grandes choses, non pas à cause de nous, mais à cause de ton saint serviteur Jésus-Christ. Donne gloire à son nom. À toi seul, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons bénir le nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Le nom le plus merveilleux, le nom le plus excellent que l'univers ait jamais connu. Quelle grâce d'appartenir à ce Jésus-Christ et quelle grâce de pouvoir le connaître. Quelle grâce d'être appelé son enfant. Quelle grâce de devenir son ami. Quelle grâce de pouvoir devenir son épouse et de faire partie de ceux qu'il viendra chercher. Quel jour merveilleux que le jour, que le retour de l'époux fidèle. De celui qui est, qui était et qui vient. De celui qui n'a pas changé. La Bible déclare qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Les temps changent, les saisons passent, les hommes passent, mais lui demeure éternellement. Et il est là encore aujourd'hui. Oui, toi qui me suis en contact avec moi en ce moment, je suis là encore pour te dire qu'il est présent, qu'il est vivant et que ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il promet, sa main est capable de l'accomplir. Parce qu'avant de déclarer, il a déjà fait. Avant de dire, il a déjà accompli. Avant de déclarer, il dit une chose et elle arrive. Il appelle à l'existence ce qui n'était pas. Il appelle les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Parce qu'il a le pouvoir de créer. Il a le pouvoir de créer. La Bible dit qu'au commencement, il a déclaré avec la parole. Et cette parole-là a donné quelque chose de vivant. Il a déclaré la lumière et la lumière est arrivée. Il a créé le monde, le ciel, la terre et tout l'univers avec sa parole. Et aujourd'hui encore, au travers de sa parole, je prie qu'il te communique une vie. Je prie qu'il apporte la lumière à ta vie. Je prie qu'il éclaire tes sentiers. Je prie qu'il te ramène sur le droit chemin parce qu'il est fidèle à sa parole, parce qu'il est plein d'amour. Il est bon, il est compatissant. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse ce matin
J'espère que tu passes un merveilleux moment dans la présence de ton roi. Alléluia, la présence la plus merveilleuse. Et que tu as pris toutes tes dispositions et que tu es vraiment dans un élan de culte, que tu es assis et que tu es habillé, tu es devant ton écran ou devant ton poste radio et tu es en train de passer un temps. C'est le culte, nous sommes au culte. C'est un moment de communion avec Dieu. Ce n'est pas juste un moment pour regarder un écran, mais c'est vraiment un temps de communion. Je prie qu'aujourd'hui, tu sois en communion totale dans la présence du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre thème que nous avons abordé depuis quelques temps, qui est la prière qui active la grande moisson. Nous sommes en train donc d'étudier la prière. Nous sommes en train d'apprendre à prier selon le modèle que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 6 et aussi dans, on a vu aussi dans Luc chapitre 11. Alléluia. Et donc, dans Matthieu chapitre 6, Jésus dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout devant les synagogues et au coin des rues, ça c'est au verset 5, pour être vu des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc on a dit que c'était la première étape de la prière, le fait de savoir prier dans le lieu secret, de pouvoir retrouver le lieu secret. On a expliqué que le lieu secret, c'était l'état de notre cœur. C'était les pensées qui nous poussaient dans notre temps de prière. Pourquoi c'est important? Parce que, souvenez-vous, que ce que tu penses au moment où tu pries est plus important que ce que tu dis. Parce que la Bible dit que le Seigneur regarde au cœur. C'est pour cela qu'il a dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, il dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose ». Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc la prière qui est agréable à Dieu, la prière qui est efficace, c'est la prière qui vient du plus profond de ton cœur. C'est la prière qui vient du plus profond de tes pensées. Donc prier, ce n'est pas simplement venir débiter des mots, débiter des paroles, mais qui ne viennent pas de ton cœur. Si tu parles, tu multiplies des paroles. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, prier, ce n'est pas parler beaucoup. Ce n'est pas parler beaucoup, ce n'est pas aligner des phrases. Aligner des phrases, ce n'est pas la prière efficace. Il dit, c'est les païens qui prient comme ça. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, dont Dieu n'est pas le Père. Ceux qui n'ont pas de relation directe avec lui. Ils cherchent à impressionner Dieu. Un enfant cause avec son Père, mais il doit être juste vrai. Parce que ce qui le lie à son Père, c'est le lien de sang. C'est ce lien-là qui fait qu'il est, cet homme est son Père. Donc quand il parle, il va pas mettre de maquillage. Quand vous parlez avec votre papa, vous n'avez pas besoin de mettre un maquillage, de mettre un fond de teint, de rouge à lèvres. Ça n'impressionne pas. Il vous écoute parce que vous êtes son enfant. Alléluia. Et il veut que ce que vous puissiez apporter devant lui soit ce qui vient de votre cœur. C'est pour cela qu'il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. En prière, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Donc, le préalable avant de commencer à prier, c'est de savoir entrer dans le lieu secret, c'est-à-dire entrer en toi-même. C'est-à-dire trouver un temps propice, un moment de calme, un moment où tu es concentré, un moment où ce que tu vas sortir de ta bouche vient du plus profond de ton cœur. Parce que ce que Dieu va retenir, c'est ce que ton cœur sera en train de lui dire pendant que ta bouche sera en train de parler. Alléluia. Donc, on a vu que ça, c'était la première étape. Donc, la prière dans le lieu secret. Ensuite, on a vu la seconde étape qui est, il dit, quand vous voici, donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Donc on a vu, c'est quoi, qu'est-ce que ça renferme, notre Père qui est aux cieux, on a dit, c'est être conscient du fait que celui à qui on adresse la prière est notre Papa. Est notre Papa. C'est pour ça qu'on dit, quand vous priez, dites Papa, dites Père, ne dites pas, oh mon roi, mon Seigneur, c'est bien. Mais il dit, quand vous priez, ce qui est important de dire, et l'état d'esprit dans lequel vous devez prier, c'est de reconnaître et d'être conscient que celui à qui vous adressez la prière n'est pas n'importe qui. Il y a une relation de père et fils
entre vous et lui. Et c'est très important de le savoir, de le comprendre et d'en être conscient. Une fois que vous êtes conscient que Dieu est votre Père, j'ai envie de dire, votre prière est exaucée à moitié. Parce que Dieu, comme Jésus pouvait dire, vous les hommes qui êtes méchants, vous ne refusez pas les bonnes choses à vos enfants. Moi, à plus forte raison, je ne vais pas refuser aussi des bonnes choses à ceux qui me les demandent, à ceux qui sont mes enfants. Donc Jésus dit que les hommes même là, malgré qu'on soit des hommes méchants, quand nos enfants viennent nous adresser des prières, on a du mal à refuser. À plus forte raison, lui qui n'est pas méchant mais qui est bon. Donc quand Dieu est ton père, ça signifie que ton taux d'exaucement va augmenter. Quand tu es conscient que Dieu est ton papa, ça veut dire que tu vas progresser dans l'exaucement de tes prières. Mais quand tu viens prier et que tu n'es pas conscient que Dieu est ton papa, pour toi c'est juste le roi de l'univers. C'est bien, il est le roi de l'univers. Mais qu'est-ce qui vous lie? Quelle est la relation entre toi et lui? Parce que Dieu est le roi de tout l'univers. Il est le Seigneur de toute la terre, mais il n'est pas le père de tous les êtres humains. Car Jésus pouvait dire quelque part dans le livre de Jean qui... Parlons des juifs, il dit, vous êtes les fils du diable. Donc le diable a ses enfants. Dieu aussi a ses enfants. Et la prière, dans la prière, Dieu veut que tu sois conscient qu'il est ton papa. Et quand tu t'adresses à lui, tu viens parler à ton papa. Et donc on a parlé de notre père, et ce papa-là a un siège. Il est assis quelque part, on appelle ça dans les cieux. Il est élevé au-dessus de toute situation. C'est pour cela que quand tu pries et que tu es conscient que Dieu est ton Père et qu'il est le lot au-dessus de tout, peu importe ce à quoi tu es confronté, ça devient tout petit et minuscule parce que ton Papa qui va répondre à ta prière est élevé au-dessus de toute situation. Alléluia. Donc, ensuite, on est arrivé maintenant sur que ton nom soit sanctifié. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier depuis deux dimanches. On a vu l'importance de prier dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux retrouver donc ce message, l'importance de prier au nom de Jésus-Christ. Et le dimanche dernier, on a entendu maintenant l'importance de sanctifier le nom de Jésus-Christ. Donc, prier au nom de Jésus-Christ, c'est venir devant le Père au nom de Jésus-Christ. Parce que avec Jésus-Christ, quand on vient au nom de Jésus-Christ, on est caché derrière Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous couvre, Jésus-Christ nous lave. Et Jésus-Christ donc, qui est toujours exaucé, nous accroît également notre chance et notre capacité de recevoir l'exaucement à nos prières. Et dimanche dernier, on a vu l'importance de sanctifier. Parce qu'il dit, quand vous priez, dites que ton nom soit sanctifié. Donc le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus fonctionne. La Bible dit que dans le livre de Philippiens, que devant ce nom-là, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun être céleste, spirituel ou, j'ai envie de dire, physique qui soit insensible devant la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus fait trembler les démons. Le nom de Jésus ressuscite les morts. Le nom de Jésus guérit les malades. Le nom de Jésus ouvre des portes inattendues. Le nom de Jésus-Christ est capable de fendre la mer en deux. Le nom de Jésus-Christ est efficace et puissant. Et ce nom-là est vivant. Ce nom-là n'a pas changé, n'a pas diminué en efficacité. Mais la puissance dans notre situation à nous est liée à la façon dont nous-mêmes nous sanctifions le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est déjà puissant. Il est puissant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à redire, il n'y a pas de débat là-dessus. Le nom de Jésus est puissant. Quand on dit Jésus, tout l'univers est au garde à vous. Parce que c'est le roi des rois. Mais certaines fois, on a utilisé le nom de Jésus, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est ce qu'on a vu le dimanche dernier. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On a pris l'exemple de certains fils de pasteurs, les fils de Sceva, donc en s'appuyant dans le livre des Actes des Apôtres, des fils de Sceva qui étaient des enfants de pasteurs et qui ont essayé de faire une délivrance au nom de Jésus. Et la Bible dit que le démon, malgré qu'ils ont dit « démon au nom de Jésus, sort », le démon les a récupérés, il les a chicotés, il les a déshabillés. Ça, c'est des gens qui ont prié au nom de Jésus. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que eux-mêmes, ce n'est pas parce que le nom de Jésus était faible, c'est parce que eux-mêmes, ils ne respectaient pas le nom de Jésus. Ils ne sanctifiaient pas le nom de Jésus. Et on a vu que ceux qui ne sanctifient pas le nom n'a pas d'efficacité. Le nom ne devient pas efficace quand ils prient.
Alléluia. Donc, au-delà de prier au nom de Jésus-Christ, il est important, il est plus qu'important de savoir développer une attitude de sanctification, de révérence, de respect profond pour le nom de Jésus-Christ. Et on a vu que sanctifier le nom de Jésus, qu'est-ce que c'est? C'est premièrement par notre attitude et nos paroles. Par l'attitude et nos paroles. C'est pour cela que nous devons être des modèles. Partout où nous sommes, nous devons être des modèles en comportement, des modèles en parole. Donc un fils de Dieu qui vient devant le Père et qui prie au nom de Jésus, mais qui ne respecte pas le nom de Jésus, qui ne respecte pas le nom de Jésus dans son caractère, dans sa façon d'être, dans son quartier, dans son environnement immédiat, avec les gens qu'il côtoie, qui n'est pas un modèle. Quand il va venir prier au nom de Jésus, il y a de fortes chances que ça ne marche pas parce qu'il n'est pas connu. Les démons ont dit au fils de Sceva, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas, vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas répertorié parce que vous êtes des gens légers, vous êtes des gens frivoles, vous êtes des gens qui vous amusez avec le nom de Jésus, vous banalisez le nom de Jésus-Christ. On vous voit au quartier, vous êtes dans l'alcool, vous buvez, vous cherchez les femmes, vous cherchez les maris des autres et vous venez prier au nom de Jésus. Ça ne marche pas comme cela. Il faut que, si tu veux prier au nom de Jésus, il faut que tu revoies ta vie et que ta vie elle-même soit ressemble à ce Jésus-là. Que ton attitude et ton caractère ressemblent à ce Jésus. C'est quand ton caractère, ton attitude ressemble à Jésus-Christ que quand tu dis, je viens au nom de Jésus, je dis vraiment, cet homme-là ou cette femme vient réellement au nom de Jésus parce qu'elle a les mêmes caractères, elle a la même façon de faire, elle a la même façon d'agir que ce Jésus-Christ. Mais si ma façon d'agir, ma façon de faire, quand Jésus-Christ n'est pas fâché, je suis fâché. Quand Jésus-Christ dit de pardonner, je refuse de pardonner. Quand Jésus-Christ dit d'aimer, je refuse d'aimer. Et je viens, je dis au nom de Jésus, ça ne marche pas. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous devons développer l'attitude de respecter le nom de Jésus par notre attitude, notre caractère. On l'a vu longuement le dimanche dernier, aussi par nos paroles. Nos paroles, c'est éviter de banaliser le nom de Jésus, de se moquer du nom de Jésus, par souvent des plaisanteries, jouer avec le nom de Jésus, prendre le nom de Jésus comme notre petit camarade du quartier. Alléluia. Ça, c'est de la plaisanterie. Ça peut porter atteinte à l'efficacité de ta prière au nom de Jésus. On a aussi vu que dire des choses, prendre des engagements, par exemple, dire ta parole et ne pas respecter tes engagements, ça diminue la puissance de tes paroles. Et donc, quand tu vas dire le nom de Jésus-Christ, ça risque de ne pas fonctionner. Donc, sanctifier le nom de Jésus, c'est premièrement mon attitude, mes attitudes et mes paroles. Et deuxièmement, on a vu que sanctifier le nom de Jésus, c'est croire dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que avoir l'assurance que ce nom-là est capable d'opérer un miracle dans ma situation. Que le nom de Jésus-Christ est capable de faire quelque chose. Et je crois en ce nom. Et Pierre, qui avait fait lever un boiteux, un paralytique, a dit non. Pendant que les hommes essayaient de l'admirer, a dit non. C'est à cause de notre foi dans le nom de Jésus-Christ que ce nom-là a fait lever ce paralytique. Ce n'est pas un homme qui a le pouvoir, mais c'est le nom de Jésus-là, parce que nous avons cru en ce nom, parce que nous avons l'assurance que ce nom est capable. C'est pour cela que le nom de Jésus a opéré ce miracle. Donc le nom de Jésus opère des miracles, est efficace aussi dans la vie de ceux qui croient dans la puissance de ce nom-là, de ceux qui ont la conviction que le nom de Jésus-Christ est efficace. Amen. Et donc, la troisième façon de sanctifier le nom de Jésus avec laquelle nous allons finir sur ce point, sanctifier le nom de Jésus, c'est aimer le nom de Jésus. Ça, c'est aimer le nom de Jésus. Ça, c'est la partie réservée aux amoureux. À ceux qui ont dépassé le stade d'enfant, de fils, mais qui sont en train d'entrer dans la dimension d'épouse de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus revient chercher une épouse. Et les gens qui aiment le nom de Jésus, qui sont amoureux du nom de Jésus-Christ, ces personnes-là développent un autre niveau d'exaucement à leur prière. Pourquoi? Parce que l'amour, la Bible dit, il y a trois choses qui demeurent. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour. La Bible dit que l'amour n'échoue pas. L'amour est efficace, c'est l'arme suprême. Donc ceux qui développent l'amour pour Jésus-Christ, ces derniers-là ont un niveau d'exaucement
j'ai envie de dire, eux, c'est des gens presque 100%. Parce que leur prière marche. Parce qu'ils sont reconnus comme des amoureux. Quand tu rentres dans la dimension d'aimer Jésus-Christ, d'une vie amoureuse avec Jésus-Christ, il est difficile que Jésus-Christ te refuse quelque chose. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit dans Jean chapitre 8. On va le lire rapidement. Jean chapitre 8, au verset 27, il dit, « Il ne comprit point qu'il leur parlait du Père. » Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Il dit, « Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Waouh! Donc Jésus dit que lui-même, le secret de son exaucement à sa prière, pourquoi Jésus était toujours exaucé, pourquoi les prières de Jésus fonctionnaient toujours, parce qu'il cherchait à faire plaisir, il cherchait à être agréable au Père. Alléluia! Donc ceux qui vont fonctionner, dont le nom de Jésus va fonctionner, dans la bouche desquels le nom de Jésus va fonctionner, ce sont ceux qui cherchent à être agréables à Jésus-Christ. C'est ceux dont la vie est agréable. C'est-à-dire, c'est des personnes qui donnent de la joie au Père. C'est quoi aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, littéralement, c'est rendre cette personne heureuse. Amen. C'est pour cela, souvent, en parlant du mariage, on dit, le mariage, on ne se marie pas pour être heureux, mais pour rendre heureux. Alléluia. Donc, entrer dans une relation avec Jésus, ce n'est pas pour chercher à être heureux, mais c'est pour chercher à rendre ce Jésus-là heureux. Donc, ceux qui passent leur vie, ceux qui mettent toute leur énergie, ceux qui mettent toute leur pensée et leur force à rendre Jésus heureux, c'est ceux-là que Jésus dit qu'ils sont ses amoureux. Ce sont ceux qui l'aiment. Et ceux qui aiment ce Jésus-là, il dit que le Père est avec eux. Il ne les laisse jamais seuls. Pourquoi? Parce qu'ils font toujours ce qui lui est agréable. Il cherche à lui plaire. Il cherche à faire ce qui va réjouir son cœur. Il cherche à faire ce que le Père aime. Et dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, au verset 13, il dit, « Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Donc Jésus, on est en train de dire ici, quand on prie au nom de Jésus, il le fait. Ça marche, ça fonctionne. Maintenant, verset 15, il dit, « Mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia. Donc Jésus dit ici, si vous m'aimez, la preuve de mon amour, la preuve que vous m'aimez, il faut que vous gardiez mes commandements. Donc, c'est quoi sanctifier Jésus? C'est quoi aimer Jésus? Aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Quand on dit, quelqu'un dit, j'aime le nom de Jésus, quand quelqu'un dit, je suis amoureux de Jésus, c'est pas d'abord le fait de faire une belle phrase pour Jésus. Ça fait partie. Quand vous dites à votre conjoint que vous l'aimez, vous pouvez lui faire par un texto, un bon message pour dire, oh, je suis tellement fier d'être avec toi. Tu es la prunelle de mes yeux, tu es l'os de mes os, la chair de ma chair, tu es mon soleil levant, tu es ma fleur de glace, tu es mon caoutchouc sucré, peu importe, je ne sais pas, selon votre inspiration. C'est très bien. Mais quand vous finissez de lui faire un poème et que votre conjoint, ce qui le rend heureux, c'est qu'on le respecte. Ou bien que vous fassiez son repas de fonio avec de la pintade fumée. Mais vous, chaque jour vous venez, oh mon mari, le plus grand, le plus beau mari de Bamako, c'est bien. Mais il veut manger ce qui va le rendre heureux. Ce qui va faire qu'il va reconnaître que vous l'aimez, c'est quand il va manger son fonio avec sa pintade fumée. Mais vous dites que vous l'aimez, mais il ne mange jamais de fonio, il ne mange jamais de pintade. Vous dites, écoute, je t'aime seulement, il faut prendre ça comme ça. Je t'aime. Je t'aime. Bois un peu d'eau avec un peu de pissap. Ce qui est sûr, mon mari, je t'aime, je t'aime. Mais est-ce que vous êtes sûr que si on demande à cet homme, si madame, ta femme t'aime, est-ce qu'il pense qu'il va répondre elle-même? Non,
Il m'a dit celle-là. Elle me manipule, hein. Elle me blague. Quand elle veut un peu d'argent, elle vient à la ligne des belles phrases. Mais ce que j'aime là, ce que je veux qu'elle me donne, elle ne m'apporte jamais cela. Donc elle ne m'aime pas, elle s'aime elle-même. Donc aimer le nom de Jésus, aimer Jésus-Christ, c'est faire ce qu'il attend de nous, c'est faire ce qui lui est agréable, c'est faire ce qui réjouit son cœur. Donc si tu dis que tu aimes Jésus, est-ce que ta vie produit et fait ce que Jésus aime, ce que Jésus aime, ce qui réjouit le cœur de Jésus? Alléluia. Il dit encore un peu de temps, verset 19 de Jean chapitre 14. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Notre domicile. Nous allons faire de chez lui une habitation. Donc Jésus est en train d'expliquer ici que quand il trouve quelqu'un qui l'aime, c'est-à-dire quelqu'un qui garde sa parole, quelqu'un qui garde ses commandements, Jésus fait de cette personne-là son ambassade, son domicile. Il habite là-bas. Il dit, ne viens pas seul. Il vient avec le Père. Il dit, mon Père aussi va aimer cette personne. Et moi et mon Père, nous allons faire de cet homme-là notre demeure. On va habiter chez lui. On va vivre avec lui. Écoutez, est-ce que vous imaginez quelqu'un chez qui Dieu habite? Waouh! Cet homme-là, dès lors, il devient le centre. Il devient l'ambassade. Il devient un palais. Pourquoi? Le palais est défini par la qualité de celui qui habite. Une maison est définie en tant que palais par rapport à la personne qui y habite. Si un roi habite dans un endroit, cet endroit-là devient palais. Alléluia! Mais si quelqu'un qui n'est pas un roi habite dans une jolie maison, on ne va pas appeler cette maison-là un palais. Donc Jésus dit que quand quelqu'un l'aime et qu'il a trouvé dans une personne de l'amour véritable, c'est-à-dire une personne qui garde ses commandements et sa parole, il vient demeurer dans la vie de cette personne. Il vient habiter avec cette personne. Jésus cherche des maisons. Jésus cherche des endroits. Jésus cherche des cœurs dans lesquels il veut habiter. Où lui et son Père veulent venir demeurer dans ta vie. Jésus veut s'asseoir dans ta vie. Il dit, il va demeurer avec toi. Il sera avec toi. Et si Jésus est avec toi, qui pourra être contre toi? Aucune situation ne pourra te résister. Aucun vent ne pourra t'emporter. Pourquoi? Parce qu'il dit, je serai avec toi. Je ferai de toi ma demeure. Tu deviens une ambassade. Tu deviens la maison, automatiquement la maison la plus sécurisée de la terre. Tu deviens l'endroit le plus sûr sur la terre. Pourquoi? Parce que dans cette maison-là, le roi habite. Et quand un roi est quelque part, l'armée de ce roi est autour de cet endroit. Quand un roi est quelque part, tous les trésors de ce roi-là l'accompagnent. Donc quand tu aimes Jésus-Christ et que tu obéis à ses commandements, il vient habiter dans ta maison. Amen. Jésus veut venir habiter dans ta maison. Amen. Et c'est qu'est-ce que Jésus aime? Jésus aime, on va le voir toujours dans Jean. Jean, il se faisait appeler le disciple que Jésus aimait le plus. Jésus n'a jamais dit ça. Quand vous allez lire tous les évangiles, Jésus n'a jamais dit qu'il aimait, un disciple plus. Mais Jean dit, c'était sa foi. Et je veux que tu aies cette foi avec moi. Et que tu te regardes comme Jean s'est regardé et que tu dises, je suis le disciple que Jésus aimait, que Jésus aime. Dis avec moi, je suis le disciple. Je suis le chrétien que Jésus aime. Jean l'a dit. Jean est entré dans la dimension de l'amour. Les autres ont suivi Jésus. Les autres étaient des disciples, des apôtres. Ils étaient des amis. Mais Jean, il a dépassé le cadre de la relation de maître à disciple. Il est entré dans la relation d'intimité, d'amour, de quelqu'un qui obéissait au commandement, de quelqu'un qui savait faire ce que le maître aimait. Et il est rentré dans la dimension des amours. C'est pour cela que dans la Bible, c'est à Jean que des secrets ont été révélés. C'est lui qui a écrit l'Apocalypse.
qui a vu la fin du monde. Parce que c'était un intime, c'était un amoureux. Ceux qui sont amoureux, ceux qui développent leur amour pour le Seigneur Jésus-Christ, à ceux-là, le Seigneur révèle des secrets. Il révèle des choses cachées. Il leur ouvre l'intelligence. Il les positionne à des endroits extraordinaires. Et Jean chapitre 21, on a ici une conversation particulière entre Jésus et Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de m'aimer ceci ?» Jésus ici est en train de poser une question. Toi aussi qui me suis, Jésus te demande, « Est-ce que tu l'aimes ?» Parce que tout à l'heure, je parlais d'aimer Jésus, du bénéfice d'aimer Jésus. Quand tu aimes Jésus, il vient habiter chez toi. Il te sécurise, il vit avec toi. Et tu lui es agréable. Et Jésus aussi demande à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » C'est comme cette dame dont je parlais tout à l'heure. Son mari vient et lui demande, « Bintou, est-ce que tu m'aimes ?» Elle dit, « Toi-même, tu sais que je t'aime. » Alléluia. Jésus dit, Pierre dit à Jésus, « Tu sais que je t'aime. » Et regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que, si Pierre dit qu'il l'aime, il veut voir comment Pierre l'aime dans la façon dont Pierre prend soin de ses brebis, de ses agneaux. Les agneaux, quand Jésus parle des agneaux, c'est quoi? Ce sont des personnes, l'agneau ça parle de la fragilité, c'est des personnes fragiles, c'est des personnes faibles, c'est des personnes qui, les agneaux aussi, c'est des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui appartiennent à Jésus-Christ, mais qui sont faibles. Tu as besoin d'être secouru, tu as besoin d'être aidé, tu as besoin qu'on les attrape la main, tu as besoin qu'on les soigne, tu as besoin qu'on les conduise. Jésus dit, si quelqu'un l'aime, il veut voir cela dans la façon dont cette personne-là prend soin de ses amis. Donc, si tu dis que tu aimes Jésus-Christ et que tu veux voir le nom, ta prière fonctionner dans le nom de Jésus, tu dois prendre soin des brebis, des agneaux de Jésus. Est-ce que tu prends soin des agneaux de Jésus? Est-ce que tu ne penses pas qu'à toi-même? Depuis que cette crise a commencé, à combien de faibles tu as essayé de venir en secours? À combien de pauvres, de combien de pauvres t'es-tu souvenu dans cette période difficile? Est-ce que tu as cherché à être une source de bénédiction? Est-ce que tu as pensé à toutes les personnes qui aujourd'hui traversent des moments difficiles? Peut-être qu'ils n'arrivent même pas à prier. Est-ce que tu t'es souvenu de ces personnes-là, cherchant leur numéro, tes frères avec qui tu venais à l'église? Est-ce que tu as leurs nouvelles? Est-ce que tu sais comment ils vont? Est-ce que tu sais s'ils mangent? Est-ce que tu prends soin d'une brebis de Jésus? Jésus dit à Pierre, si tu dis que tu m'aimes, c'est bien de me dire de belles paroles. C'est bien. Ça me fait plaisir d'entendre des belles paroles. Mais l'amour ne consiste pas seulement en paroles, mais en action et en vérité. Si tu m'aimes, montre-le-moi. Prouve-moi ton amour en prenant soin de mes brebis. Et trois fois, il lui a posé la question. Jésus il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Mon frère, trop parler, ce n'est pas ça que je cherche. Paix mes brebis. » Donc, « Je t'aime, je t'aime. »« Oh Seigneur, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. » Jésus dit, « Je veux voir. Où sont les brebis? Tu dis que tu aimes Jésus, montre-moi les brebis desquelles tu t'occupes. Tu as combien de brebis? Est-ce que tu as une brebis de qui tu prends soin? Est-ce que tu as une personne faible que tu aides à grandir? Qui sont blessés par la vie, blessés par les difficultés de la vie, de qui tu es en train de te soucier, pour qui tu es en train de prier, pour qui tu es en train de pleurer devant la face de Dieu? Est-ce que tu as des personnes là? Dis-moi, quelles sont tes brebis? Quelles sont les brebis desquelles tu prends soin en ce moment, chrétien? Jésus dit, si tu m'aimes, montre-le-moi en prenant soin de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Prenons soin les uns des autres.
C'est ça la preuve d'amour que Jésus attend de nous. Ce ne sont pas nos phrases, ce ne sont pas nos grosses bibles, ce ne sont pas seulement nos beaux cantiques, c'est bien les cantiques. Mais au-delà des cantiques, la preuve d'amour que Jésus attend, c'est que nous prenons soin de lui. Alléluia. Et Jésus, aimer Jésus aussi, c'est quoi? Aimer Jésus, c'est non seulement perdre les brebis, mais c'est aussi gagner les brebis, gagner les âmes. Gagner les âmes. Il dit, celui qui m'aime, il doit garder mes commandements. Et c'est quoi les commandements de Jésus? On va aller dans le livre de Marc, Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est le dernier commandement, le dernier ordre que Jésus a donné à ses disciples. Jésus dit que celui qui m'aime est celui qui garde ma parole, est celui qui garde mes commandements. Et celui qui garde mes commandements, je l'aimerai. Mon Père l'aimera et on viendra habiter chez lui. On fera de chez lui notre demeure. Et maintenant, Jésus te dit, voilà son dernier commandement. Ça signifie que c'est son commandement le plus important. Si quand quelqu'un doit partir en voyage, ou bien si un homme doit mourir, ses dernières paroles sont les paroles les plus importantes. Et là, Jésus était au soir de sa mission. Il était à la fin de sa mission. Il devait aller dans le tombeau pour ressusciter et aller au Père. Et laisse maintenant les dernières instructions il était même ressuscité d'ailleurs. Il était revenu de la mort à la vie. Et là maintenant, il était prêt à monter. Donc il devait laisser le dernier, la dernière consigne, la consigne qui lui tenait le plus à cœur. Il dit, je vous ai enseigné pendant 3 ans et demi. Mais là, je m'en vais. Voilà la chose que je veux que vous gardiez. Si vous faites ça, si vous vous concentrez sur ça, je serai heureux. Je vais savoir que vous m'aimez. Il dit, voilà ce que je vous dis. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Jésus veut te voir aller par tout le monde. Jésus veut te voir quitter ta zone de confort. Jésus veut te voir vaincre la peur, la timidité, la honte et prêcher, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Il dit, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création, pas seulement aux hommes. J'aime ce passage parce que ça ne se limite même pas aux hommes. Il dit à toute la création, aux fleuves, aux rivières, aux mers, aux lagunes, aux arbres. Parce que toutes ces choses ont été détournées par l'ennemi. Sont devenues des endroits souvent de culte. Mais le Seigneur dit, allez annoncer. Va devant le fleuve, va devant la mer, la rivière, peu importe où tu te trouves, à la création. Et dis à la création, il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est ressuscité. Et Jésus-Christ m'envoie te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Parce que le monde passera, mais la parole de Jésus-Christ demeure éternellement. Nous devons repositionner les choses. Jésus nous attend. C'est nous qui l'a envoyé. Il ne viendra pas faire ce travail à notre place. Et la preuve de notre amour pour lui, ce sera d'aller partout. Sans calcul. Sans calcul. Peu importe l'endroit. Il suffit qu'il y ait des hommes. Jésus dit, va, annonce. Regarde autour de toi. Regarde les personnes qui vont en enfer. Regarde les personnes qui meurent sans connaître Christ. Jusqu'à quand seras-tu indifférent à la souffrance de ceux qui t'entourent? Jusqu'à quand seras-tu indifférent? Jésus attend que tu te lèves. Jésus attend que tu ouvres la bouche. Comme il a dit à Isaïe, qui enverrai-je et qui parlera pour nous? Jésus cherche quelqu'un à envoyer. Jésus cherche quelqu'un qui parlera de sa part. Pour gagner des âmes. Pour remplir le royaume des cieux. La volonté de Dieu, c'est qu'aucun homme ne soit perdu, ne se perde. Mais que tous les hommes soient sauvés. Mais la Bible dit, comment les hommes seront-ils sauvés si personne ne leur annonce la bonne nouvelle? Et comment les gens annonceront-ils si personne ne se lève pour aller? Bien-aimés, le temps est arrivé. Nous sommes dans les temps de la fin. Et annoncer l'évangile
et ce qui va nous assurer une grande récompense. Je lisais un passage hier dans le livre de Daniel qui disait que les gens qui vont contribuer à amener des justes auront une grande couronne dans le ciel. Ils vont rayonner comme des étoiles. Il faut que je retourne le passage. Ils vont rayonner comme des étoiles. Waouh! Est-ce que quelqu'un veut rayonner comme des étoiles? Amen. Est-ce que tu veux briller comme des astres? Amen. Ma rosa catale rose. Je crois que c'est Daniel chapitre. Il faut que je retourne le passage. C'est trop puissant. Alléluia. Jésus cherche les amoureux. Est-ce que tu seras compté parmi les amoureux? Est-ce que tu seras parmi ceux qui l'aiment? Parce que quand Jésus va faire le compte, on dira voici le frère tant. Voilà. Daniel chapitre 12, verset 3. Il dit, les hommes qui auront la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Waouh! Ça c'est dans la version Semeur. Il dit. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Les vrais stars. Dieu appelle stars ceux qui amènent beaucoup à être justes. Donc, est-ce que tu veux être une star selon Jésus ou bien selon le monde? Une star, parce qu'une star, c'est le mot star, c'est le mot étoile en anglais. Et Jésus dit que le jour de son avènement, il va présenter ses stars. Il va révéler les stars à l'humanité. Et il dit ceux qui seront les stars, c'est-à-dire qui vont briller, ceux-là, la Bible dit, ce seront ceux qui auront amené un grand nombre à être justes. C'est-à-dire un grand nombre à quitter l'enfer pour arriver dans le salut. Est-ce que tu veux briller? C'est cela qui compte. Jésus revient pour nous donner des récompenses. Et la récompense que tu vas recevoir va dépendre du nombre de personnes que tu auras amenées au Seigneur. Ce sera la preuve palpable de ton amour pour Jésus-Christ. Ce sera ainsi que ta prière au nom de Jésus va fonctionner. Oui, nous allons nous arrêter là. Le Seigneur te dit ce matin, aime-moi, garde mes commandements, paie mes brebis, gagne des âmes pour moi. Développe une intimité véritable avec moi. Et tu verras ma gloire. Dieu cherche. Il cherche qui a envoyé. Alors ce matin, tu vas prier avec moi. Maru Braski Maros. Ibro Machande, Ibro Surya Marie de Braissou. Ibro Ski Ibrai Kantara Bralari Ambros Kontari Libre. La bracumba y antarabra la sucatara la brala y de quimba y dolos. Ô Seigneur notre Dieu, merci d'avoir répandu ton amour dans nos cœurs. La Bible dit que le Seigneur a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mets ta main sur le cœur maintenant et prie. Pendant que nous prions, le Seigneur t'amène à manifester cet amour. En prenant soin des brebis, en brisant toute gêne et toute honte pour gagner les âmes autour de toi. Ces gens-là, qui sont les amoureux, Jésus pouvait dire, mon Père ne m'a jamais laissé seul. Il est toujours avec moi, parce que je fais ce qui lui est agréable. Que le Seigneur t'accorde ce matin le vouloir et le faire. Que la grâce te soit accordée afin que tu changes de dimension, que tu sortes de la dimension de l'enfant, la dimension de serviteur, pour entrer dans une dimension d'épouse, d'amoureux de Jésus-Christ, de personne obéissante à sa parole, qui suit ses instructions, qui va là où Jésus veut l'envoyer pour gagner des âmes, pour prendre soin de ceux qui lui appartiennent. Merci Jésus. Merci pour nos cœurs qui sont transformés. Tu as dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir à cause des épreuves,
à cause de la méchanceté, à cause des trahisons. Mais ce matin, je prie que Seigneur, que tout amour qui avait été refroidi soit relevé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que l'amour véritable, notamment ton amour que tu as montré en sauvant l'humanité, en donnant ta vie, soit notre partage. Seigneur, comme tu pouvais dire à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Seigneur, réveille notre premier amour, notre passion pour toi, afin que nous soyons passionnés de toi, nous soyons passionnés de ton œuvre, passionnés de ce qui, des choses qui t'intéressent, des choses qui te sont agréables. Que l'amour, Seigneur, oh Dieu, est ton cœur, soit aussi notre cœur, afin que notre trésor y soit. Que notre trésor soit l'amour, Seigneur, ton cœur le veut, oh Dieu. Que nous puissions enlever notre cœur, nos pensées des plaisirs de ce monde, des attraits de ce monde, Seigneur, des richesses de ce monde, pour nous tourner vers les richesses éternelles, c'est-à-dire gagner des âmes pour toi, sauver des vies, prendre soin de tes brebis, Jésus. Rappelle-nous à l'essentiel, Père. Ibrahim Terebosi Katarababababos. Les Mabosi Yabak, les Mailos, les Brayababos. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour la vie que tu transformes, pour la guérison que tu apportes. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus guérit. Et en ce jour, toi qui es en contact avec moi, reçois une visitation de guérison maintenant. Simplement, là où tu es, en mettant la main où tu as mal, tu reçois une guérison surnaturelle dans le nom de Jésus. La boule de ton sein a disparu. C'est la puissance du nom de Jésus. Rima morosa rabara baba ye shababa libra mayosa katarele maotere kovashi katarabe. La puissance du nom de Jésus est à l'œuvre. Tout démon qui t'avait enchaîné, lâche prise dans le nom de Jésus. La vie divine entre en toi, toute forme de maladie qui t'avait paralysé, qui t'avait amené dans le désespoir, sors de ta vie dans le nom de Jésus. Reçois la grâce ce matin. Reçois la délivrance ce matin. Reçois la restauration ce matin. Oui, il t'aime, ce Jésus. Toi qui m'entends et qui dis, ah, est-ce qu'il m'aime encore? J'ai fait tant de mal. J'ai fait tant de mal. Est-ce qu'il peut encore m'aimer? Il te dit, je t'aime encore. Je t'aime encore et je te tends la main. Reviens à moi. Change de vie. Mahorasi Katerebos. Que toute la gloire te revienne, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Merci Jésus. Que la gloire du Seigneur, que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit répandue dans ta vie, de là où tu te trouves. Il y a quelque chose qui est en train de se produire dans ta vie. Alléluia. Alors dans ce même élan, nous voulons nous préparer à apporter au Seigneur avec joie. La joie des amoureux. Parce que quand on aime, comme je dis, on donne des preuves de son amour. Et si vous aimez quelqu'un, vous lui faites des présents, vous lui faites des cadeaux, vous lui faites des dons. Nous voulons maintenant donner à Jésus-Christ pour lui prouver notre amour. Alléluia. Pendant que nous sommes conduits par le groupe de louanges. Et que les numéros s'affichent, voilà, sur votre écran, pour pouvoir appeler, pour rejoindre la cellule la plus proche, pour pouvoir apporter votre offrande et vos dîmes. Amen. La situation ne doit pas nous empêcher de continuer à célébrer Jésus-Christ. Donc, nous avons 5 cellules, une à, au niveau du point G, une au golf ACI, nous avons une autre cellule au niveau de Sébénikoro, une cellule au niveau de Sotsuba et une cellule au niveau de la Tetebubu. Et des numéros sont affichés de toutes ces cellules-là. Vous pouvez appeler et vous y rendre pour apporter vos offrandes et vos dîmes, ou si vous voulez, vous le voulez par
le canal des mobile money. Ces offrandes sont bénies au nom de Jésus. Dans ce temps de crise, il veille sur ta famille, il veille sur ta maison. Ces offrandes sont bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons nous approcher de la table du Seigneur et nous voulons communier avec le Seigneur. J'espère que donc tu as ton pain et ton jus de raisin. Alléluia. Pour pouvoir communier avec nous au travers de la table du Seigneur. Alléluia. Dans la nuit où Jésus fut livré, il a pris du pain, il a rendu grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce corps qui a été brisé pour nous. Preuve de ton amour. Tu nous as tant aimé que tu as donné, Seigneur. La preuve de ton amour pour nous, c'est que tu t'es donné. Et Seigneur, nous voulons prendre ce don que tu nous as fait. Et qui communique aussi en nous, Seigneur, la force de nous donner pour les autres. Aujourd'hui, pendant que nous prenons, nous communions à ta table, nous recevons la force d'aller, la force de t'aimer, et la force de donner nos vies pour les autres. Que toute la gloire te revienne. Amen. Après avoir rendu grâce, il a rompu, il a donné à ceux qui étaient avec lui, et il a dit ceci, est mon corps livré. Ensemble, mangeons le corps de notre Seigneur Jésus. La Bible dit qu'après le souper, il a pris la coupe. Il a dit que cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en son sang. C'est le sang de Jésus-Christ, le sang qui nous purifie, le sang qui nous lave. Et qui parle de sang, parle aussi de l'âme, parle de l'amour. Le sang de Jésus nous communique les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel était humble, plein d'amour et de douceur, se donnant pour le salut de l'humanité. Pendant que nous prenons ce sang en ce jour, nous sommes remplis des sentiments qui étaient en lui. Des sentiments d'humilité, des sentiments d'amour, afin d'aimer nos ennemis, afin d'aimer les brebis du Seigneur, afin de prendre soin les uns des autres. Ensemble, vivons le sang de notre Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alors notre culte s'achève ici. Nous avons pris plaisir à être avec vous. Donc, vous pouvez continuer toujours à nous suivre et à suivre aussi ceux qui nous prennent en marche aujourd'hui, nos cultes derniers, pour pouvoir suivre ce message sur notre page Facebook, Vase d'honneur Bamako, ou notre page YouTube, Vase d'honneur Bamako, et tous ceux qui vont nous écouter tout à l'heure à la radio Espoir 91.1 à partir de 11h. Alléluia. Nous vous souhaitons aussi une très bonne écoute de la parole du Seigneur. Alors, ta semaine est bénie. Une semaine d'amoureux,
une semaine de révélation. Je dis que Jésus révèle à ses amoureux quelque chose. Ma prière, c'est que le Seigneur te révèle des secrets. Des secrets pour, de ce qu'il veut faire avec toi. Les secrets de ce qu'il avait prévu de faire avec toi avant la fondation du monde. Le Seigneur ouvre tes yeux. Il fait tomber les écailles de tes yeux. Le Seigneur ôte tout voile de tes yeux. Et il te fait entrer dans une nouvelle dimension avec lui. Une semaine de gloire. Une semaine d'intimité réelle et profonde avec celui qui est, qui était et qui revient. Sois béni abondamment. Sois béni richement. Et que la grâce et la faveur du Seigneur soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis et excellent dimanche à toutes et à tous. Shalom, chers frères et sœurs. Vous venez de suivre le culte de l'église Vase d'honneur Bamako. Nous espérons que vous avez été bénis et que ce culte vous a fait du bien. Nous restons disponibles sur les différentes plateformes de l'église, Facebook Vase d'honneur Bamako, YouTube Vase d'honneur Bamako. Nous restons joignables au numéro suivant 76 28 19 28 76 96 26 44 pour tous vos sujets de prière et toutes préoccupations 24 heures sur 24. Merci d'avoir suivi ce culte. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille Vase d'honneur.